Jeanne Culture, j'essaie de tourner un bol en céramique avec la céramiste Marie-Claude Girard dans son atelier de Saint-Alban. Marie-Claude Girard, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton atelier. Donc aujourd'hui, on parle céramique, on parle artisan en campagne. Donc on va commencer dans le vif du sujet en fait avec notre motte de terre. La motte. La motte. Oui. Alors là, j'ai le droit de te demander ce que je veux, c'est ça? Certainement. Mais pas un pichet. Pas un pichet, ouais, c'est ça. J'ai le goût de te demander un pot à fleurs. Ben écoute, on fera un pot à fleurs. OK. C'est parti. Fait que... Là, peux-tu me parler pendant que tu le fais, mettons? Ben si oui, je le fais par la suite. En fait, ce qui se passe, quand on fait le tournage, là, ça a l'air vraiment facile. Tu sais, c'est beau, c'est comme... Tout est ça droit. Roule, tout est droit, mais la réalité, c'est que toi, tu vas arriver, il va y avoir une boule comme ça qui va aller de tous les bords, tous les côtés. Puis la chose la plus importante quand on tourne, c'est la stabilité, tu sais. Mais là, un pot à fleurs, c'est quand même haut et étroit, donc je vais faire ma motte un petit peu plus haute et étroite. Là, tu travailles ton diamètre en premier. Ouais. Ben après, je vais pouvoir revenir. Puis là, pour moi, c'est satisfaisant. C'est ça. Contrairement à la sculpture, il n'y a rien qui est définitif avec l'argile quand même. On peut toujours tout changer, mais il y a quand même un moment de non-retour. Tu sais, comme là, ici, là, j'ai percé. Là, je pourrais revenir à ma motte, mais ça demanderait beaucoup de travail. Mais effectivement, tu sais, une fois qu'on est dans le contrôle, on contrôle ce qui se passe, on y arrive. Puis là, c'est toujours une question de finition. Là, je m'assure que mon fond il soit bien droit, je m'assure qu'il soit assez épais. Puis là, on va faire la montée. Ouais, c'est vraiment... Je sais que c'est super dur. Ça a vraiment l'air facile quand tu... C'est ben, fini, tu sais, quand tu vois ça, quelqu'un qui te fait une petite bolle, là, ouais. Tu sais, ça te prend 2-3 minutes, puis c'est fait. Parce que dans la vie, mettons que tu me l'expliques pas, là, ça prend combien de temps à faire ça? Tu sais, en général, les pièces que je connais bien, je suis capable d'en faire entre 20 et 25 à l'heure. Là. OK. Tu sais, ouais. Mettons mes tasses cappuccino, mes bols de café au lait. Puis là, ben, on peut. Moi, j'aime ça aller chercher un petit peu d'argile. Puis là, je vais te faire un beau pot à fleurs typique. Avec une petite bordure. La petite bordure, la petite affaire que j'ai pas fait depuis. Non, c'est ça, je t'ai demandé quoi. D'un coup, qui se peut pas, tu sais, la fille, elle s'est pas pratiquée. Non, c'est ça, mais j'aime ça au bout, tu sais. Puis. Bon, là, c'est très, hein, c'est vraiment c'est drôle. Beau, comme là, ça avance bien, là. Ah, moi, je. Oui! Non, tu trouves ça laid. Ouais, mais je trouve ça drôle, c'est des formes que je fais pas du tout. Hii, j'aime ça faire ça. Mais là, c'est ça, c'est comme sur le bord de lâcher. Ah oui, là, ça va lâcher. Là. J'adore ça. T'sais. Fait que, tu sais, j'avais décidé d'arrêter là, deux montées. Ça aurait été vraiment super. Mais là, tu sais, il n'y a plus rien à faire. Là, tu peux plus, c'est irrécupérable. Ouais, ben, je pourrais toujours. Là. Après, il y a plein de façons de faire, mais moi, ça m'intéresse pas. Parce que ça veut dire que j'ai une faiblesse là, dans l'argile, tu sais. Ça peut craquer au sécher. Ça peut craquer, ça peut, tu sais, c'est pas... Et là, c'est bien. Yahoo! C'est là... trop. Ouais. Ah, bon. C'est fini. Moi, j'en fais pas de pot à fleurs dans ma production. Fait que c'est ça que je fais. Et voilà. Fait qu'on emballe le pot à fleurs. C'est fini. Là, je vais te laisser faire. Là, on a parlé qu'il fallait que je la stabilise. Ouais. OK, tes coudes... Oh, dans tes cuisses. Oui. Ah! OK, tu peux ralentir un petit peu. Oui, je suis dans le fond, hein? Oui, juste parce que tu y vas avec beaucoup d'ardeur. Moi, c'est comme on-off. On-off, c'est ça, comme ça. Mettons ça, là, ça serait bon. Quand là, donne un coup de tes abdos, là. Ah oui, mes abdos d'acier! OK! Hein! Je pense que c'est droit. Il y a
comme non. Comment je pourrais savoir, bon, Marie, c'est toi ben, qui m'as dit. Enlève tes mains. Tu regardes ta boule. Non, non, ben, regarde-la quand elle tourne. OK. À tes yeux, est-ce que c'est stabilisé? Non. Non. Donc, on continue. OK. Comme ici. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu penses que tes mains sont des étaux, comme ça. Il faut que je la mette plus petite, hein? Ben, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, là, regarde. Mets tes mains. Je vais te montrer. Englobe l'argile. Oups, j'ai fait un move. J'ai ouvert mon doigt sur la pièce. Ouais, ben c'est normal. Ah, tiens, il y a un petit mouton. Tiens. Là, c'est quoi, là? C'est pas droit, là, regarde, il bouge. Ben non, je sais, je t'ai arrangé ça pour que ça bouge pas, pour que tu travailles un peu. OK. OK, bon. Fait que mets tes mains. Stop, enlève tes mains. T'as vu? Oui. Fait que t'as vu ce que j'ai fait, en fait? C'est juste de venir... Je t'ai mis de la force, on va recommencer. Mets tes mains. Ça me l'a. Ben là. Ouais, tu OK, vas. On l'a refait. On l'a refait. Okay. Vas-y, mets tes mains. Hey, c'est non, mais c'est intense, là. Okay, là c'est super intense, là. Ben, ça, c'est parce que... c'est parce que... Là, c'est parce que tu mets trop de force. OK. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre ton argile comme ça entre tes deux mains, puis descendre doucement. On pourrait faire le compte, mais c'est pas vraiment important. Descends un petit peu avec tes mains, comme ça. Là, je descends jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter, mettons. Ou là, qu'est-ce qu'on fait? Ih, merde! Ah, merde! C'est cute! Parce que j'ai un doigt qui est parti ouais, en vrille. OK, stop! Okay. Là, principe aussi de base en céramique, tu sais, quand tu... Parce que, en fait, tu l'as. Là, tu sais, nos mains, il faut comme penser que c'est un petit papillon. Tu sais, on a un petit papillon. Fait qu'on y va doucement. On okay, lâche l'argile doucement. Fait que là, tu vois, je t'ai vraiment aidée. Là. Regarde ça, la belle motte. Ouais, mais là, c'est ça, elle est comme faite. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait comme forme? Oh boy! On va faire ce que t'es capable de oh faire, boy. Genre. OK. Là, est-ce que je le sers fort? Non, là non. C'est fini. Là, okay. tout se passe dans tes doigts. Là, je le perce. Ouais, là, tu jusque le perces. Dans le, presque dans le fond? Ben, en fait, il faut que tu laisses au moins un centimètre. Les deux pouces, là. Oui. Là, ça commence à être comme sec. Ça. Ben, là, c'est là que moi, je viens, puis je rajoute un peu d'eau. OK, là, OK. OK, je pense que c'est... Je veux voir. Tu veux voir? Ouais, là, c'est assez. Là, je remets un petit peu d'argile, c'est correct. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est de venir ouvrir. Il est pas égal, là, mais... Ouais, mais... On va passer la journée ici, c'est ça. OK, fait que là, avec les pouces, hein? Ouais, ben vas-y, comme tu le sens pour l'instant. Okay. Ouais. Bon, il va freestyle. Freestyle, juste parce que sinon... Sinon, on n'a pas de fun. Ben oui, c'est ça qu'on veut, du fun. Là, tu pourrais commencer à ralentir ton tour. Ouais, on se calme. Ouais. OK. Puis là, tu pousses vers l'extérieur, puis là, tes doigts, fais juste t'assurer que, t'sais, qu'il y a un bon... Puis là, pousse doucement vers l'extérieur. Comme ça, là, c'est bon. Okay. Là, ouais. Pousse. Ih, okay. Quand tu le fais, ça va mieux. Ouais. elle me touche une seconde, puis ça fait ouais. comme... Fait que là, c'est top. Hé, hey, ben là, je suis en train de faire un genre de bol à... Ben là, tu... Je sais pas trop, là, pour ouais. bébé. Ben, comme un pot à chien. Fait que là, tu peux ralentir ton tour. OK. Un petit peu comme ça. Ça, c'est parfait. OK. Puis là, regarde, ta forme, elle fait ça comme ça. Fait que là, tu vas prendre tes mains comme ça, puis tu vas ramener la paroi vers l'intérieur doucement. OK. Comme ça. OK. Ah, ouais, OK. Mais là, faut-tu que je la ramène, lui, il est en genre de compte. Oui, mais ça, c'est correct. Okay. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est monter une paroi, tu sais. On veut faire des montées. Fait que là, si tu regardes à l'intérieur, là, si tu mets tes doigts comme ça, à la base, c'est un petit peu plus mince, puis là, tu montes, c'est un peu plus épais. Oui. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est là le défi du tournage, c'est de prendre ça, d'égaliser toute cette paroi-là sans venir pincer l'argile. Shake du pied. C'est stressé, Jeanne, là. Je suis super raide. Aïe, aïe, OK. Bon. Moi qui pensais, tu sais, c'est relax, c'est du tournage, c'est zen. Ben, ouais. Pour moi, c'est l'air. Ça devient zen après 15 ans, ça devient super zen. C'est comme ésotérique, un petit peu.
Oui, en fait, c'est métaphysique, hein? C'est entre la réalité puis. Hey, le shake en mort! Pourquoi que ça fait ça? C'est comme si mon... ma jambe. Mais oui! Elle est possédée! T'es vraiment. T'es-tu regardé? Tu veux check, tu peux prendre un moment de recul? Relaxer un petit peu? Là, tu vas te mettre toutes ces mauvaises énergies dans ton pot! Bon. OK. Ouh, OK. Hey, mais gars, ça monte un peu. Ça, c'est extraordinaire! OK. Aïe, aïe, OK, c'est un peu logique. Fait que là, ce que tu peux faire, vu que ta paroi est égale, relativement, touche. Ouais. Là, tu peux décider de venir ouvrir. En fait, quand on vient pour faire un bol, mettons... OK, là, ça, c'est pas fini, là. Non. Tu sais, je pourrais dire que c'est un gobelet. Tu pourrais, mais ça serait un gros gobelet, bien épais, tu sais. Tu sais, mettons, moi, j'ai pas de chance, là. Je pensais que c'est fini. Ouais, non. Non, okay. Garde, attends. Fait, touche à la paroi. M'en fous, on va le nettoyer après. Tu vois quand c'est mince? Ouais. Ouais, bon. Fait que là, ça, c'est pas assez mince. Ouais, c'est ça, vraiment désagréable de boire là-dedans. Plutôt pépé. Ouais, c'est ça. Fait que ce que tu peux faire pour venir ouvrir, c'est comme faire un dessin. Tu sais, quand mettons, tu dessines, tu sais, tu prends ton crayon puis tu viens faire une forme, tu sais, sur la plaque, comme ça. Mais quand même, tu sais, c'est juste une courbe. Oui, oui. Ben, dessiner sur une pièce, c'est la même chose. C'est que tu prends tes mains puis tu viens vraiment faire une forme. De l'intérieur. De l'intérieur. L'intérieur puis l'extérieur se parlent. Tu sais, tantôt, je partais, quand j'ai fait mon vase à fleurs, j'ouvrais comme ça, oui. Puis à un moment donné, je venais rentrer comme ça. Oui, Seigneur, OK. Mais là, on parle pas de rentrer, on fait juste parler de prendre... Ouais. Là, on parle que j'essaie de faire, mettons, ça, là. Mettons que tu essaies de faire une forme comme ça. Comme ça, OK. Oui, fait que là, tu rouvres vraiment... Puis là, il faut que tu laisses l'argile dans ta main... y aller doucement, parce que, tu sais, elle tourne. Fait que ton dessin, si tu le fais vite, ben là, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu laisses toute la paroi dans tes mains venir faire ta petite courbe comme ça. Là, comme ça. Là, on est encore à cette position-ci. Comme ça, peut-être? Mais tu peux venir mettre sur le bout de tes doigts. Un petit peu, regarde. Regarde ma main comme ça. Tu sais. OK. Fait que là, tu sais, au lieu d'être comme ça, tu vas juste prendre ta main, puis tu vas juste la mettre. Mes doigts, on s'entend qu'ils sont pas égales. Là. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça va pas tout faire des coches, OK. Laisse tes doigts comme... super raide! Ben, c'est normal. OK. Pousse. Hey! Puis monte doucement. Là, continue. Pousse, 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 pousse. OK. Là, il faut que la courbe soit comme un petit peu plus élancée. Écoute, c'est ta courbe... Ma courbe naturelle? C'est moi qui ai des courbes. C'est comme... Là, je le refais, là. Oui, continue. Okay. Continue. OK, vas-y, doucement. Puis là, ton mouvement... Il faut que je le pince comme un peu. Non, en fait, c'est que le mouvement, il faut jamais qu'il s'arrête. Tu sais, il faut que tu l'amènes, mettons... C'est ici, là, arrête, puis là, si on continue, ça fait toute la différence pour la lèvre. C'est sûr que toi, si tu fais quelque chose, ça fait beau sur ma pièce. Puis là, j'ai comme fini, non? Oh, écoute, c'est toi la maître d'œuvre de ta pièce. Donc, tu pourrais décider de raffiner ta forme. Dans quel sens? Ben, tu sais, regarde dans ton miroir, là. Ah, ben oui, OK. De quoi a l'air ta forme? T'es satisfaite? Ben, tu veux-tu plus arrondi? Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ben, ça ressemble à une espèce de bocal. C'est sûr que... Ben, tu pourrais, dans le bas, là, on pourrait y... Tu sais, comme ta pièce, là, oui, tu sais, ben, c'est sûr que là, je trouve un peu rough. Ouais, ben là, ça, c'est l'autre étape qui s'en vient après. Okay. C'est parce qu'il n'y a pas juste le tournage. Après, il y a le tournassage. Ouais. Tu sais, parce que... Puis là, on pourra pas tout faire, mais quand on tourne une pièce, tu sais, justement, tout le pied ici, c'est rough, tu sais. Là, le pied, je peux jamais le rendre comme ça au tournage. Non. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que la pièce, elle soit à consistance cuir, qu'on appelle. On la tourne de bord, puis là, on vient sculpter avec des tournassins qui ressemblent à ça, mettons.
comme ça sur le tour, on vient comme sculpter la pièce, lui donner la forme finale, enlever l'excédent d'argile. Donc, les pièces sur lui, ça a tout le temps un peu l'air rough. Oui, tout le temps. En fait, j'en ai, tu sais, que je pourrais vous montrer. Fait que, tu sais, la pièce est tournée. Ça, c'est le couvercle. OK. Mais tout le pied ici, tout est rough encore. Ça veut dire que moi, tu sais, plus tard dans la journée ou demain, je vais venir la remettre sur le tour comme ça. Puis là, je vais venir prendre mon outil, mon tournassin, puis venir enlever l'excédent d'argile, puis venir faire une belle finition là, puis venir arranger mon couvercle pour que ça fitte, pour ajouter les gréments de ma théière. Tout ce que je fais, c'est enlever juste un petit peu de surplus. OK. Tu peux arrêter la pédale. Mais je fais juste ça. Ouais. Le bar! Aïe, il a fait s'envoler! Ben oui, mais c'est ça, tu sais, quand je parlais de la force centrifuge, rendu quand c'est ouvert, là, ça aurait pu faire. Hey, ça aurait été le fun! Ouais. Tout mon beau travail. Splouché, ouais, ben. Fait que là, on va décider de le garder ou pas, ça va être ta décision. Ben, moi, je trouve que c'est pas si pire que ça. Je sais. Tu sais, un petit bol de muesli. Ah! Pas de céréales, de muesli. Ben, pas assez gros, je trouve. Ouais, oui, puis là, il va perdre à 12%. Ah, mon Dieu. Ouais. Ben, là, ça va être un petit bol de yogourt. Un petit bol de yogourt. Écoute, ça sera ton bol de yogourt. Quand tu t'es mis à faire de la poterie, ben. Comment on arrive là dans une vie? Ben, effectivement, c'est quand même une bonne. Tu sais, moi, à la base, j'ai étudié en sciences politiques. J'étais à l'université. Dans un truc très intellectuel à Montréal, à l'UQAM. Puis avant, en fait, j'avais deux tantes qui avaient fait de la poterie, tu sais, de façon semi-professionnelle, mettons. Mais j'ai jamais travaillé avec elles, avec ni une ni l'autre. Mais tu sais, c'était quelque chose qui m'a toujours intriguée petite, de voir les pots, de voir l'argile. Puis j'ai fait un programme qui s'appelle Katimavik. Puis j'avais été passer deux semaines dans une famille d'accueil dont le monsieur chez qui j'habitais était potier. Fait que le plan de mon deux semaines de vie avec eux autres, c'était de passer du temps avec lui tout l'avant-midi dans l'atelier. Puis l'après-midi, je faisais le tour avec Riva, qui était la maman, qui était prof d'art. Ouais, t'es tombée sur une bonne famille. Ah oui, c'était génial. Puis elle m'amenait dans tous les ateliers d'artisans. C'était dans le coin de Almonte, je pense que ça s'appelle, en Ontario. Okay. C'est vraiment, maintenant, il y a une belle galerie d'art et tout. Mais tu sais, maintenant, je sais que, tu sais, mettons, c'est réputé un peu en Ontario. Puis moi, j'ai été comme chez tous les artistes et artisans de la région. Puis c'est drôle parce que c'était même pas un intérêt pour vrai, mais je trippais tellement sur ma famille que j'ai comme développé ça. Puis le rythme de la poterie, ça m'est rentré dedans. J'ai vraiment, vraiment trippé, tu sais, de voir le rythme de vie dans lequel eux autres y étaient. C'est sûr qu'ils étaient retraités, donc c'était comme une autre affaire. Mais j'ai vraiment touché à ça, pas juste comme, tu sais, une fois, tu sais, juste comme ça, mais pendant deux semaines. À tous les jours. Puis, j'ai quand même fait le choix d'aller à l'université parce que, rationnellement, c'est la meilleure chose à faire à l'époque. Mais une fois à l'université, j'ai fait non, moi, tu sais, j'ai cette chose-là qui m'a intriguée. J'ai pris des cours de soir, puis j'ai vraiment tout lâché pour aller faire ça. Parce que c'est la chose qui m'a. Ça t'appelait. Ah oui, ça m'appelait. Je sentais qu'il y avait, tu sais, que j'avais de quoi faire avec ça. Puis comme je disais tantôt, j'étais la cancre de l'école. En céramique, ouais. Parce que j'étais pas très bonne au départ, mais j'ai vraiment beaucoup persévéré. Puis, tu sais, j'avais déjà une vision, en fait, de ce que j'avais en tête. Tu sais, je voulais faire comme production. Puis je passais pas par là du tout, tu sais. À l'école, c'est vraiment drôle. On disait que je faisais des chaos tonitruants, là, parce que... Quand j'apprends, moi, c'est dans le chaos, c'est comme, tu sais, c'était n'importe quoi. Puis quand j'ai décidé de faire ma propre production, là, j'étais dans quelque chose d'extrêmement contrôlé. Parce que c'est quand même, tu sais, ma production est très, très contrôlée dans le contrôle, dans tu sais, très épurée. Mais à l'école, j'étais pas là-dedans du tout, parce que je contrôlais rien. Tu sais, c'était vraiment... T'apprenais, en tout cas. Donc, ben oui. Contrôlé quand t'apprends. Effectivement. Puis moi, j'avais pas, à l'époque, tu sais, je pense que j'étais plus âgée aussi, tu sais, j'avais 26, 27 ans. Puis j'avais pas de désir de performance parce que je me disais de toute façon, tu sais,
être céramiste, être potier, c'est un métier d'une vie. Fait que, tu sais, on apprend des choses, mais j'avais pas le désir d'être la meilleure à l'école. J'avais pas le désir de tout de suite avoir une production. J'étais dans le désir d'expérimenter, d'apprendre. Ce qui s'est fait, puis là, ça fait 10 ans, mettons, que je fais ça de façon professionnelle ici dans Portneuf. Puis, je suis encore en mode apprentissage, parce que c'est un métier où, tu sais, ce que je veux dire, tantôt, on m'a vu tourner, mais, tu sais, il y a 10 ans, j'aurais pas fait ça aussi facilement. Puis, j'ai encore des limites comme potière, tu sais, je suis pas la meilleure pour les grosses pièces, mais j'apprends parce que je veux, puis, tu sais, je suis bien bonne pour les petites pièces, tu sais, je veux dire, on a toutes nos forces et nos faiblesses, puis c'est ça, c'est la beauté de du métier, en fait. C'est un métier, tu sais, les métiers d'art, c'est ça, c'est un métier de... où tu deviens maître à un moment donné, ce qui n'est pas le cas. Mais, tu sais... Vers la maîtrise. Ben, un jour, peut-être, je vais arriver là. Puis je pense que la façon dont je suis faite, c'est que j'y arriverai jamais, tu sais. Parce que j'ai toujours l'impression... Ben, je suis très perfectionniste. Mais je suis aussi très consciente de la... Tu sais, de mon métier. Puis à quel point c'est vaste. Les techniques, tu sais, moi je maîtrise une technique pas pire, là, qui est le tournage, mais il y en a tellement d'autres. Oui, c'est ça, il y a du modelage, il y a effectivement, le moulage, tu sais, travailler par plaque, puis tu sais, je veux dire, puis tout ça, après, on peut raffiner ça à un point tel que, tu sais, ça devient de l'art, là. Mais tu sais, moi c'est une des choses qui me fascine le plus, c'est de voir l'évolution. Ma production, elle évolue tout le temps, mais ma maîtrise de mon travail évolue tout le temps. Puis c'est en contact avec d'autres potiers, ou c'est comment tu te formes comme ça en continu? Ben effectivement, ça c'est cette année, ça a été extraordinaire parce que j'ai eu une coloc d'atelier. C'est la première fois en 10 ans, en fait, que je partage mon atelier. Puis en fait, j'ai jamais partagé mon travail et mon atelier avec d'autres céramistes, de par mon isolement dans la région de Portneuf. Ce qui a eu du bon et du mauvais, parce que le bon, c'est que j'ai vraiment développé quelque chose en dehors de ce qui se faisait. Parce de la mode, hein? Parce de que la c'est mode, des modes en céramique. Effectivement, complètement dehors de la mode. J'ai jamais pris en compte les façons de faire des autres. J'ai développé les miennes. Puis... T'sais, ma production, je sais qu'elle se démarque quand même de beaucoup de productions. Puis ça, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Mais en termes de productivité et puis de façon de faire dans l'atelier, il me manquait beaucoup, t'sais, beaucoup de fine-tuning, là, ouais. T'sais, d'organisation et tout ça, que j'avais pas parce que je voyais pas d'autres potiers travailler. T'sais, YouTube m'a aidé beaucoup. Parce que, l'Internet. Oui, vraiment, beaucoup. J'ai un potier coréen qui habite à San Francisco qui me fait capoter. Fait que je la regarde des fois tourner dans le silence avec le ronron du tour. Puis là, j'ai des larmes aux yeux. Mais ça donne pas la vie au quotidien avec une autre potière qui produit en fou aussi. Stéphanie, elle produisait et produit encore vraiment beaucoup. Puis elle a partagé son atelier avec beaucoup d'autres potiers. Fait qu'elle a comme une connaissance plus vaste. Puis ça, elle m'a transmis ça vraiment. Puis ça a fait vraiment une différence. Puis tellement que, tu sais, là, elle va partir, je vais réaménager l'atelier, mais j'ai envie d'avoir des céramistes ici en résidence, tu sais, d'inviter du monde justement pour, moi, passer mon savoir, puis, tu sais, qu'il y ait des échanges parce que... Il faut que notre travail, on le rentabilise. T'sais, des fois, t'sais, tu l'as vu, le temps que ça peut prendre. Puis on peut flatter nos pièces, là. Je veux dire, on peut prendre du temps. Mais si on rentre en mode entrepreneurial, ben là, il faut que ça soit rentable. Il faut que nos mouvements soient comptés. Il faut que chaque mouvement que tu fais, ben, il vale de quoi. Oui. Puis il faut que tu le comptabilises. Puis il faut que tu saches combien va valoir ta pièce à la fin de la journée, tu sais. Puis ton travail, fait que tu peux décider de valoir 5$ de l'heure ou 25$ de l'heure, dépendamment de la façon dont tu travailles. Puis ça fait, tu sais, c'est aussi 10 ans d'expérience, là. J'arrive à en vivre à cause de ça, parce que j'ai une réflexion par rapport à ça. Puis ça, j'ai envie de le passer aussi, tu sais. Ouais. Puis comment tu es arrivée ici, à Saint-Alban? J'ai une amie qui m'a dit qu'il y avait du monde qu'elle connaissait, qu'il y avait une ferme bio à Saint-Alban, dans Portneuf. J'ai aucune idée c'était où. J'étais jamais allée là de ta vie. Jamais de ma vie. Je savais même pas c'était où.
Puis je fais bon, let's go, on va passer l'été là juste pour sortir de la ville, puis tu sais, je me mettrai à réfléchir sur qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis je suis venue passer l'été à Terra Sativa, qui sont au bout du rang. Travailler avec eux, sur travailler comme un du woofing, là, okay. Mettons, tu sais, moi je leur ai papoté, fait de la bouffe tout l'été, puis je passais du temps là, puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que la région était vraiment riche, tu sais. J'ai vraiment rencontré plein de gens, puis je me suis dit, tu sais, moi, c'est ce que je veux, en fait, c'est une communauté. Ouais. Puis, tu sais, ça fait 10 ans, puis ça ne fait que grandir, cette communauté-là, tu sais. Il y a genre du monde cool qui sont arrivés, puis tu sais. Puis ils n'arrêtent pas, en fait, puis ça grandit. Puis je trouve que c'est aussi bon, tu sais, je veux dire, de façon rationnelle, les choses étaient, il n'y avait rien de cher dans le coin, je pouvais avoir des ateliers facilement, dont ici, tu sais. Tu sais, tout s'est mis en place, en fait, facilement. Ça a été, même avec toutes ces choses-là qui étaient plus faciles, ça a été très, très difficile. D'en vivre. D'en vivre, en fait, tu sais, ça fait comme trois ans et demi, à peu près, 4 ans, là, que je peux dire que j'en vis vraiment officiellement à temps plein. Mais il y a comme 6 ans avant ça qui ont été vraiment difficiles. Puis, tu sais, je suis pas naïve, là, ça se peut que ça foire, tu sais, dans 2 ans. Parce que... Il y a quand même des expériences de l'entraînement, c'est sûr. Non, je le sais, mais tu sais, c'est difficile, ouais. Mettons. Ouais, le milieu de la céramique au Québec, présentement, il y a quand même un engouement. Oui. On sent qu'il y a beaucoup de céramistes, en fait, beaucoup d'offres. Les gens vont offrir ça en cadeau aussi de plus en plus, là. Donc, il y a quand même une vague assez positive au niveau de la céramique utilitaire, ça, c'est sûr. Est-ce que toi, tu le ressens aussi dans ton chiffre d'affaires, dans ta production? Oui, vraiment. Beaucoup. Puis ma chance à moi, c'est que j'ai justement 10 ans d'expérience derrière la cravate, fait que je suis capable de produire pour cette demande-là. Okay, t'sais. Ouais. Puis effectivement, il y a de plus en plus d'engouement, les gens sont beaucoup plus intéressés. Je pense qu'il y a beaucoup, dans la vague des foodies, là, je veux dire, à un moment donné, ils prenaient le temps de regarder dans quoi était mis leur belle nourriture là, cultivée par les nymphes. Et si cette assiette-là est achetée au Ikea, c'est pas pareil. C'est pas pareil que si elle est faite... Par une nymphe. Par une nymphe. Effectivement. Non, mais je pense qu'il y a eu... Puis avec ça vient aussi toute la conscience de l'achat local. Puis la valeur. Je pense que les gens commencent à comprendre c'est quoi la valeur d'un objet. Le temps que ça prend de l'expérience que ça prend pour en faire pour une en production. Pour en faire, effectivement. Ben, merci beaucoup, Marc-Claude. Ça fait plaisir.